Wesh mon petit René Del Rey, j'espère que tu vas bien. Moi ça va pas trop gros. Bah ouais, mon nez il est insurgé de morve là, tout ça, truc jaune narquois là, j'en peux plus gros. Et que ça fait de tousser. Donc du coup je vais essayer de me contrôler au max pour pas tousser comme... comme ça tu vois pendant toute la vidéo. Donc aujourd'hui petite vidéo, ça va pas être sur un jeu gros. Ça va être sur une découverte cousin. Alors là, on a trouvé un mec... Je dirais même plus que ça, un dangereux de la life. Donc du coup, j'étais obligé de le partager avec vous, parce que moi, franchement, je trouve qu'il a un rôle à jouer dans cette vie, tu vois. Il a un message à passer, et franchement, c'est que c'est un thug, tu vois, c'est un dur. Moi, je trouve qu'il est très dur. Donc du coup, et là-bas, je lui ai fait une petite vidéo sur lui, tu vois. En plus, ça peut lui faire un peu de pub, bah tant mieux. Donc c'est parti hein. Et par contre va pas falloir faire le choquer hein, quand tu vas voir comment il est chaud le type. Ah moi je te le dis hein. Donc voilà. Donc là on arrive sur sa chaîne. Et commence même pas à rigoler gros. Commence même pas à rigoler. Donc on arrive sur les expériences du professeur Fifou. Donc déjà, quand t'arrives sur ça, déjà ça te coupe le souffle. C'est très bien que ce qui t'attend, c'est pas un truc de PD, tu vois. Tu peux déjà constater que dans Fifou, il a bien pris le soin de mettre PHY comme physique. Donc là, on peut dire que c'est un prof de physique. Donc déjà, à la base, qu'est-ce que tu fais, bâtard? Qu'est-ce que tu fais, là? À ton âge, tu te dis pas que t'as tes 30 élèves devant ta tronche, là. Ils vont finir par tomber sur ta chaîne, là, faire tes petites folies en classe, comme ça. On passe tout de suite au vif du sujet. Vous pouvez maintenant me rejoindre sur Tipeee pour me soutenir et m'encourager à l'adresse. Ça veut dire qu'il a déjà pour projet de se faire virer de l'éducation nationale. C'est un but très lucratif, moi j'adore. Donc on peut apercevoir qu'il a créé des petites playlists, bien sûr, car c'est une chaîne très très bien organisée, vu que c'est un professeur, évidemment. Attends. Expérience à faire à la maison. Donc je vais te montrer ce qu'il fait dans sa classe. Je vais te montrer ce qu'il te demande de faire chez toi. Donc déjà, bande annonce, on va regarder comment ça envoie du lourd. Pour l'instant, j'ai pas regardé les vidéos. Je suis juste tombé sur une que j'ai regardée pour se mettre l'eau à la bouche. Mon nom est Fifou. Professeur Fifou. Professeur Fifou. Il nous a fait James Bond où j'ai rêvé là. Attends. Mais imagine mon frère, imagine mon croyant. Hey, attends, il est en train de faire exploser une bouteille de cristalline là. Je sais pas ce qu'il est en train de faire là, il a pété dans la bouteille et il met des coups de flamme et il fait décoller ça. Mais juste get la porte là. Imagine le proviseur, il arrive comme ça. L'autre il est en train de hurler devant sa caméra. Le professeur Fifou. Et il fait exploser une bouteille, cousin. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais un arrêt cardiaque. Tu le fais démissionner. Tu dis, mais tu crois que c'est la classe à ton fils ou quoi? Okay, mais tu te crois où, Fifou là? Comment on t'appelle sur YouTube là? Okay. Oh! Tire-toi, voilà. Oh putain. C'est déjà fini la bande-annonce là? Ah ouais, c'était 46 secondes. 46 secondes, c'est ce qu'il faut, je pense. La Torah, il y a trop de choix. Bonjour, je suis le professeur Fifou. Bienvenue aujourd'hui, non pas pour un défi scientifique, mais pour la présentation du logo de la chaîne, ici. Donc c'est ce visuel-là, ici l'atome, ici le globe terrestre. Donc j'ai vraiment aimé ici se décider d'en faire des t-shirts, comme on voit ici, ici des casquettes. Oh, je vais enculer. C'était un putain de tasse-bas produit pour Fifou. Bonjour, je suis professeur Fifou, le professeur de physique fou. Je suis de retour pour de nouvelles expériences et de nouveaux défis scientifiques, plus fous les uns que les autres. Alors, là, il a dit plus joli. Et pour ça, bien sûr, 42 carottes, vous l'aurez compris. Bon, je vais prendre une dizaine de carottes. Ici, donc là, j'en ai 11 carottes. Donc, j'ai 11 carottes ici, et le défi est le suivant. Comment faire pour que ces carottes soient cuites sans les chauffer? Je répète, comment faire sans les chauffer?
pour que c'est. Eh gros, on est pas en cours, on est sur YouTube là, gros, j'ai pas une feuille. Mais attends, mais c'est un ouf. T'es là, mais. En plus. Bah attends. Si je rentre en panda. Donc il faut penser science puisque c'est un défi scientifique. La réponse est la suivante. J'enlève 3 carottes. Comme ça. J'enlève 4 carottes. Les carottes sont cuites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Étonnant, non? Il fallait penser mathématiques. Il fallait tout simplement compter. Bien évidemment, ça marche avec 9 carottes, 10 carottes, avec un nombre différent, bien sûr, mais supérieur à 8, puisqu'après, il faut en enlever. J'ai bien de faire des mathématiques. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours un peu plus déjantées. Au revoir les fifous. Faut que je fasse tous les casiers.